الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, et si je le prolonge pendant quelques instants, c'est parce que l'enceinte où je suis accueilli m'assémécide de façon quasi irrésistible à une réflexion. L'enceinte où nous sommes rassemblés maintenant m'inspire de façon quasi irrésistible à une réflexion. Récemment, votre auguste assemblée a voté une révision constitutionnelle réformant le système des sessions et élargissant le champ du référendum. Voici quelques mois, la Constitution a été changée en l'enrichissant de plusieurs nouveaux chapitres qui affectent positivement notre vie sociale. Du côté marocain, voici quelques années, en 92, la Constitution a été enrichie par la réaffirmation de l'attachement aux droits de l'homme tels qu'ils sont universellement reconnus, par la création d'un Conseil constitutionnel et par le renforcement des moyens de contrôle parlementaire sur le gouvernement. Entre autres, par le renforcement aussi des moyens de contrôle parlementaire sur le gouvernement. Ainsi, de part et d'autre, les constitutions et leur fonctionnement évolue, non certes par plaisir du changement, mais parce que le temps passe, que la société change et que vivre, c'est s'adapter. Retenons aussi que la Constitution et son fonctionnement évoluent, non pas par simple plaisir du changement, mais parce que le temps passe, la société change et pour vivre, il faut s'y adapter. Ne nous y trompons pas cependant. Il ne s'agit pas de nous copier les uns les autres. Ne nous y trompons pas cependant. Il ne s'agit pas de nous copier les uns les autres. En matière de constitution, il n'existe pas de procédé industriel permettant de livrer des usines institutionnelles clés en main. En matière de constitution, il n'existe pas de procédé industriel permettant de livrer des usines institutionnelles clés en main. La simple imitation serait stérile. Une simple imitation serait stérile. Si l'on veut s'abandonner à la métaphore, mieux vaut voir chaque constitution comme un vêtement. Si l'on veut s'abandonner à la métaphore, comme l'a dit l'imminence africaine, mieux vaut voir chaque constitution comme un vêtement. Un vêtement se dessine et se coud en fonction des formes et des mesures que de celui qui devra les porter. Un vêtement se dessine et se coud en fonction des formes, des mesures, de celle de celui qui doit le porter. Bien plus, celui que l'on habille ne gardera pas immuablement la même silhouette. Bien plus, celui qu'on habille ne gardera pas immédiatement la même silhouette. Les âges de la vie, l'état de santé, la condition physique appellent des corrections qui vont de la simple retouche à un changement d'habit. Les âges de la vie, l'état de santé, la condition physique appellent des corrections qui vont de simple retouche à un changement d'habit. Peut-être un ironiste suggérerait-il qu'un vêtement est aussi une affaire de mode et qu'il ne faudrait pas faire subir aux institutions des mutations de pure fantaisie. Peut-être un ironiste suggérerait-il qu'un vêtement est une affaire de mode et qu'il ne faut pas faire subir aux institutions des mutations de pure fantaisie. N'y a-t-il pas quelque chose de cela dans l'appel si souvent entendu à la modernité ? N'y a-t-il pas quelque chose de cela dans l'appel si souvent entendu à la modernité institutionnelle ? Il me semble que l'usage du terme modernité dans sa vie politique est matière malentendue. Il me semble que l'usage du terme modernité dans la vie politique est matière malentendue entre nous.
coutumes de l'État et les vieilles démocraties. Certains de ceux qui l'emploient paraissent croire que la modernité politique exige, en dépit de la géographie et de l'histoire, l'uniformité des institutions dans tous les États du monde. Certains de ceux qui l'emploient paraissent croire que la modernité politique exige, en dépit de la géographie et de l'histoire, l'uniformité des institutions dans tous les États du monde. Ils se trompent. Ils se trompent. D'autres, se croyant pluralistes, pensent au contraire que la modernité est hors d'atteinte. D'autres se croyant plus réalistes pensent que la modernité est hors d'atteinte. Pour les pays dans lesquels le respect de la tradition s'opposerait à tout changement réel. Pour les pays dans lesquels le respect de la tradition s'opposerait à tout changement. Ils ne se trompent pas moins. Ils ne se tromperaient pas moins. Cette antithèse mécanique entre le passé et l'avenir. Cette antithèse mécanique entre le passé et l'avenir. Jean Jaurès l'avait dénoncé à l'avant en s'écriant, et je cite de mémoire. Jean Jaurès l'avait dénoncé en s'écriant, je cite. Que le fleuve est fidèle à sa source quand il descend vers la mer. Le fleuve est fidèle à sa source quand il descend vers la mer. Moins éloquemment, hélas. Moins éloquemment, hélas. Je dirais qu'une communauté de valeurs. Je dirais qu'une communauté de valeurs. Le principe démocratique, les droits de l'homme, le pluralisme. Le principe démocratique, les droits de l'homme, le pluralisme peut rassembler sans se trahir. Peut ressembler, sans se trahir et sans les trahir. Des traditions différentes. Peut rassembler, sans se trahir et sans les trahir, des traditions différentes. Et sans les trahir, des traditions différentes. Certes, le constitutionnalisme naissant, à la fin du XVIIIe siècle, avait rêvé de faire d'une constitution un livre révélé. Le constitutionnalisme naissant, à la fin du XVIIIe siècle, avait rêvé de faire d'une constitution un livre révélé. Défiant le temps et l'histoire. Défiant le temps et l'histoire. Cependant, mes exemples, dont le vôtre et le nôtre, nous ont appris que, sans que changent à tout moment les règles du jeu politique, il existe dans chaque nation une capacité d'adaptation qui est riche de bons usages. Cependant, maintes exemples dans le monde nous ont appris que sans qu'on échange à tout moment les règles du jeu politique, il existe dans chaque nation une capacité d'adaptation qui est riche de bons usages. Les textes ne doivent donc pas être immuables. Ils ne doivent pas davantage être rigides. Les textes ne doivent donc pas être immuables. Ils ne doivent pas être davantage rigides. Il faut certes une règle de jeu, mais laquelle, mais elle n'est pas une fin en soi, et le jeu lui-même n'en est pas une simple application. Il faut certes une règle du jeu, mais laquelle n'est pas une fin en soi. Le jeu lui-même n'en est pas une simple application. Ce jeu est fait de rapports humains entre les gouvernés et les gouvernants, entre les individus et les groupes sociaux, entre le pouvoir central et les collectivités décentralisées. Ce jeu est fait de rapports humains entre les gouvernants et les gouvernés, entre les individus et les groupes sociaux, entre le pouvoir central et les collectivités décentralisées. Ce n'est pas un jeu de robots. Ce n'est pas non plus un jeu de robots. Une démocratie est par définition pluraliste. Une démocratie est par définition pluraliste. Elle suppose la pluralité des opinions et des partis. Elle suppose la pluralité des opinions, des partis. Des organes de l'État, des niveaux d'administration, des entreprises publiques ou privées, des organisations sociales ou syndicales. Des organes de l'État,
des niveaux d'administration, des organisations sociales ou syndicales. Tour à tour, les divers acteurs politiques ont à faire entendre leurs voix qui sont distinctes et aux besoins alternatifs. Tour à tour, les différents acteurs politiques doivent faire entendre leurs voix qui sont distinctes ou peuvent même être alternatives. Pourvu que sur l'essentiel, c'est-à-dire l'indépendance et l'intégrité nationale, elles se retrouvent à l'unisson. Pourvu que sur l'essentiel, c'est-à-dire l'intégrité, l'indépendance et l'unité nationale, elles se retrouvent à l'unisson. Et quand il s'agit des plus grandes questions, ou lorsqu'il faut faire surgir une décision sur laquelle le gouvernement ou les représentants élus hésitent, et quand il s'agit des plus grandes questions, et qu'il faille faire surgir les grandes décisions sur lesquelles les acteurs politiques ne s'engagent pas, le peuple lui-même, s'exprimant dans un référendum, vient couronner la panoplie des moyens d'adaptation. Le peuple au nom duquel chacun doit agir doit s'exprimer. Le processus le plus élaboré de consultation du peuple à la démocratie est et demeure le référendum qui couronne la panoplie des moyens d'adaptation. Telles sont les ressources du droit qui sont à la fois la racine et le fruit de la civilisation politique. Les ressources du droit sont à la fois la racine, les fruits de la civilisation politique. Elles ne nous livrent pas des modèles, mais des expériences. Elles ne nous livrent pas des modèles, mais des expériences. Le profit en est partagé entre ceux qui les conduisent et ceux qui les observent. Le profit en est partagé entre ceux qui les conduisent Les Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, en vous soumettant cette réflexion sur l'évolution des institutions, j'ai voulu rendre hommage à votre Assemblée, organe et instrument majeur d'une constitution vivante, et répondre, pour le Royaume du Maroc, au message de l'authentique et cordiale amitié qu'à travers ma personne, mon pays a reçu. Je vous remercie. Chers collègues, Mesdames et Messieurs, en vous livrant cette réflexion sur l'évolution des institutions, je voulais rendre un hommage au président de la République, le conseil japonais, à son premier ministre et au gouvernement pour avoir proposé une nouvelle constitution. Je voulais aussi rendre hommage au peuple guinéen pour avoir, dans sa majorité, accepté cette nouvelle constitution en votant le 22 mars 2020. Notre pays a besoin désormais de tranquillité et le temps de vieilles rancœurs doit être dépassé.